Cette photo, en fait, je l'ai trouvée, je suis tombée dessus un peu par hasard l'année dernière, donc suite au décès de mon père. Beaucoup d'émotions en voyant la photo, puisqu'en fait, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je suis revenue m'installer après de nombreuses années à l'étranger. Donc c'est la maison qui est située sur le boulevard Louis Millet et qui est en face de la mairie de Doulon. Les personnages qu'on voit qui posent devant la porte, ce qui m'a marqué, c'est leurs vêtements au départ et leur chapeau. Je me suis dit que la photo avait dû être prise au début du siècle dernier. À partir de là, je me suis dit, oh, il faut vraiment que je découvre qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo, pourquoi elle m'évoque tant d'émotions. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire des recherches pour essayer de retrouver un peu le passé de cette maison. J'avais un vague souvenir d'une conversation qu'on avait eue avec mes grands-parents et mes parents à propos d'une parfumerie, mais j'avais pas plus d'informations. Et en fait, c'est vrai que j'avais su donc que la maison appartenait à une famille. Il y avait un père et ses trois filles. Et d'ailleurs, c'est une de ses filles, Mademoiselle Roux, qui avait loué une partie de la maison à mes parents quand ils étaient jeunes. Donc là, on va rentrer dans la cave. Attention. Donc là, en fait, c'est la porte de la cave. Et dans cette pièce, en fait, derrière le meuble ici, je vais te montrer, je vais tirer le rideau. En fait, là, il y avait une porte qui amenait directement à la maison d'à côté. Et parce qu'avant, en fait, les deux bâtiments communiquaient. Et on peut imaginer que c'était parce qu'ils devaient transporter des flacons pour la parfumerie. Et donc, bon là, ça a été recouvert parce que voilà, maintenant les deux maisons ont été séparées. Mais avant, donc la famille Roux communiquait à travers cette porte qui a été recouverte maintenant. Mais si on enlève l'étagère, je pense qu'on peut encore la voir. Tout d'abord, en fait, j'ai commencé par taper parfumerie Doulon sur Internet. Et donc là, je suis tombée sur une vente aux enchères d'un ancien flacon de parfum. Et donc c'était marqué, donc Œillets Maritimes Doulon, Emmanuel Roux, Nantes 1900. Tout de suite j'ai fait le lien avec Mademoiselle Roux, donc sa fille j'imagine, qui voilà, portait le même nom, donc tout de suite ça m'a interpellée. Il y a des sites de spécialistes avec plein de parfums, et notamment des grands parfums de l'époque, et ce parfum fait partie fait partie des parfums qu'on retrouve sur les sites de collectionneurs. Donc on peut imaginer que c'était un parfum connu à l'époque. Ouais. Là, on arrive dans le jardin. Donc on a retrouvé des petites bouteilles de parfum dans le fond du jardin. Donc moi, à travers mes recherches, j'ai identifié que le parfum datait de 1900. Donc ça veut dire que ça fait plus de 120 ans que ces petites bouteilles sont dans le fond du jardin. Donc c'était un peu une découverte en les trouvant. Donc ça, c'est la petite bouteille qui a été retrouvée dans le fond du jardin. Et ah bah tiens, on dirait que le bouchon du flacon, c'est le même que sur la photo. Ah bah tiens, ouais, on voit bien le dessin de l'œillet. Ça a été poli, mais... Ouais, c'est le même dessin que sur la photo et sur la carte postale. L'étape suivante de mes recherches, ça a été de tomber sur des archives municipales et notamment sur un article écrit par l'association Doulon Histoire sur l'hôpital Bélier. Et donc dans l'article, en fait, on pouvait lire que à la Libération, il fallait reconstruire le quartier. Et en attendant de reconstruire l'hôpital Bélier, l'équipe médicale s'installe en juin 1946 dans une ancienne fabrique de parfums, l'Œillet Maritime. Le bloc opératoire, un cabinet de pansement et une radio sont installés dans des chambres permettant l'accueil de 30 malades. À la fin du mois, tous les lits étaient occupés, écrit un médecin de l'époque. Les Doulonnais retrouvent enfin leur hôpital en juin 1950. Ils ne comptent que 30 lits, mais ils sont d'autant plus appréciés que suite au bombardement, la capacité hospitalière de la Loire-Atlantique est tombée au 81e rang des départements français. Donc, en lisant ça, je me suis dit, c'est incroyable comme histoire.
Finalement, la maison dans laquelle j'ai grandi, elle a servi de refuge à l'équipe médicale qui venait d'être bombardée à l'hôpital juste à côté. Sur la photo, on voit bien trois personnes, donc trois femmes avec des chapeaux de forme et des longues robes, et un monsieur qui est sur les marches devant sa porte. Et donc j'imagine que c'est Monsieur Emmanuel Roux avec ses trois filles devant la maison, sachant que il me semble qu'à l'époque il y avait un tramway qui passait boulevard Louis Millet, donc juste devant. Et donc la photo a dû être prise en fait avec un peu plus de recul derrière les rails du tramway. Au départ, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations parce qu'en fait la maison donc elle appartenait à Monsieur Roux qui avait donc trois filles. Ces trois filles étaient vieilles filles donc célibataires parce qu'en fait à l'époque il y avait beaucoup de femmes qui se sont retrouvées seules, veuves parfois parce que beaucoup d'hommes partaient à la guerre. Et donc il n'y a pas eu de transmission et de descendance. Ça m'a marqué parce qu'aussi je me rends compte que la transmission du savoir et du patrimoine, ça passe aussi par la descendance et voilà. Alors, moi là, il me reste plusieurs étapes. J'aimerais déjà acheter un ancien flacon que j'ai vu sur les enchères. Donc j'ai noté le nom de la dame, je pense que je vais lui envoyer un message. Donc j'aimerais récupérer une bouteille, un flacon de parfum Les Œillets Maritimes avec le parfum à l'intérieur, aussi pour pouvoir sentir le parfum.